Yo yo yo, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans cette 100e émission de Hip Hop en Stock. C'est la 100e et ça va être méchamment lourd, c'est terrible. Ok. Ok. Yeah, yeah. Un Y. La petite partie de l'iceberg. Tu peux garder tout, je roule qu'avec Marie J. Tu peux garder tout, mes amis sont ma richesse. Musique italienne pour contrer le mal qu'ils s'aiment. Contrer la vilaine et toutes ces balivernes. Pas la peine d'assister. J'aime pas le système, j'ai des raisons par dizaines. Ma présence est arbitraire, je vais pas faire des calipettes. Pour faronner comme Ali J. Sérieux, j'ai mieux à faire. De la musique, de la haine, de la rue, pas de la ferme. Venez pas me la faire. Comme Danny, j'ai le shining. Pas le temps de salir mon planning avec des âneries. Ma signature, un artiste, loin de tous ces artistes. Au texte archi, facile, basique, passif, racine. Vas-y, reste assis et admire le classique. On joue sur nos mères, on parle à nos liasses. Le mal est là, c'est pas mon art, ni mon paranoïa. Paix à nos âmes perdues. Rapide, à risque, à écoute assis. Qui reçoit plein de monde ce soir. On va commencer. Il y a le frérot Yenich, évidemment, qui est là. Comment vas-tu, poteau? La pêche? Très très bien, toi, comment ça va? Ça va très bien. Au plaisir, encore une fois, de te recevoir. Tu prends racine? Ah, tu vois, c'est vrai que là, en quelques mois, je suis venu déjà 3 fois, je crois. Ouais, c'est la 3e fois. Donc, qu'on voit. Effectivement, mais c'est aussi qu'il y a les projets qui succèdent et tout ça. Et donc, c'est une bonne chose. J'en profite pour saluer tout le monde, hein, voilà, tous les auditeurs, tout, gros big up. Et puis, tous merci ceux qui encore sont là, pour l'invitation. Mais avec grand plaisir, tu le sais. On a le poteau Théo Dezès qui est là également. Qui? T'es honteux, c'est ça. Parfait. Écoute, t'as entendu? Ok. Dans ma vie, j'ai tapé des bars, capté des gars qui faisaient du sale. Grandir dans l'illégal, pas de tout, calme loin d'être. Comme dans la classe, pourquoi tu mens à dire que tu brasserais? T'en tires aucune gloire, pense à tes dards, le diable, c'est pas sage que je roule au tri. Bouka veut punch, Bouka veut passe, Bouka veut brasse. Tout ça sous nos yeux, les copines partent et souvent ça passe, tout va pour le mieux. Ça va, tranquille. Tranquille. Ouais, donc c'est pas ta première radio, on a discuté il y a pas longtemps, t'es passé sur Bezac il y a pas longtemps, c'est ouais, ça? Radio Campus. Ouais. Donc là, justement, tu sais ce que c'est, donc là, tu vas envoyer lourd, là. Vas-y, je te fais confiance. Et Poupa, qui est là également, yes. Comment tu vas? Yes. On the road, I'm jogging on the road of Babylon. Yes, I'm jogging on the road, I'm jogging on the road of Babylon. Yes, la forme, tranquille. Bien, ouais, ça va pas trop froid, je vois que t'as le bonnet. Ouais, ouais, je garde. T'as bien raison. Rétro cassé, ça y est, l'album de Yenich, donc qui suit ce LP que t'étais venu présenter il y a quelques mois maintenant, le 22-42 avant l'heure, ça y est. Exactement. L'album, la concrétisation est là. Ça va justement après cette sortie et comment tu ressens ce soulagement peut-être d'avoir réussi enfin à avoir cet album maintenant dans les mains quoi. Ouais, bon déjà ouais parce que ça a mis du temps donc dans un premier temps comme tu le sais on l'avait sorti déjà en ligne sur le net en digital pour, ouais c'est voilà, ça. Pour pouvoir être fidèle à la date de sortie quoi. Ouais. Mais ouais effectivement je suis super content de l'avoir en main le master enfin voilà la qualité est super. Elle est là. Et maintenant ben voilà, c'est la première partie du boulot, maintenant la deuxième c'est de le défendre. Rétro cassé, donc voilà, il est là, le rétro. Donc, combien de temps de taf finit sur rétro cassé? Ouais, pour être large, on va dire, ouais, ça faisait trois ans que j'écrivais, et puis deux bonnes années là, de mix, d'enregistrement. Il y a eu des périodes aussi, des 3-4 mois, tu vois. Disons que l'album, il nous convenait pas forcément à un moment donné, il manquait des titres pour nous. D'accord. Donc, on n'a pas hésité à attendre 5-6 mois pour rajouter 2-3 titres, voilà, pour D'accord. Renforcer le truc. Bah, de toute façon, ça sent, enfin, même dès la première écoute, je veux dire que c'est un album qui est travaillé, que vraiment, qui a pas été, entre guillemets, qui a pas été bâclé pour pouvoir le sortir ou quoi, qui a vraiment été bossé. Ça se ressent. De toute façon, je pense qu'un travail qui est bien fait et qui est bien travaillé, ça se ressent. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose qui se ressent énormément. Oh, aïe. No food to eat, no food to eat. My children are crying, telling me why. They're much hungry. I woke up in the morning,
no food to eat, no food to eat. No money in my pocket, can't find some food for me, children. Yeah, yeah, can't find food for me, children. Yeah, where can't find no food. Wonder about them pies, why they want me down. Wonder about them bodies, why they want me down. Because of my color, my social situation, or because of my money, I don't got no money. Why you want me down? Et donc, pour en revenir à ça, parce qu'on va en discuter de toutes ces instrumentales, de toutes ces prods qu'il y a derrière, comme on disait, très variées, certaines relativement reggae, d'autres relativement, comment dire, électro pour l'Afrique. Ouais, ouais, électro un peu, ouais. Vois, électro dubstep un peu. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ouais, ouais. Pourquoi avoir eu cette envie de mixité? Pourquoi en fait, pas, c'est, entre c'est... guillemets, s'être cantonné, pas cantonné, mais avoir fait. C'est tout. Des envies naturelles. Hein. Moi et Sanchesco, donc mon beatmaker qui a participé. Qui a fait 13 prods sur 15, donc on peut dire majoritairement c'est lui qui a fait l'album. Ouais, c'est sûr. Donc c'est juste nous, quoi, en fait. Nous, on aime la musique, on aime le rock, on aime le blues, on aime l'électro, bien sûr le rap avant tout. Ouais. Mais je veux dire, moi j'ai été influencé par énormément de musique, même la variété française, tout ça. D'accord. Et j'arrive pas à me cantonner à un style, j'ai pas envie, je suis gourmand de tout. Ouais. Et voilà, pour moi aussi, j'ai toujours aimé ce côté arc-en-ciel, même avec Frère d'Armes, même si c'était du Frère d'Armes, du rap, voilà. On a toujours aimé quand même au niveau des prods avoir une palette assez différente. Assez large, ouais. Ouais, moi voilà, je suis. C'est la musique. C'est nous, la musique. Ouais. Ça, c'est pas vraiment. On s'est pas dit. Voilà, on fait tout un album comme ci, Ça se fait au naturel. C'est ça, au feeling. Par l'envie, vraiment l'amour, l'envie. Voilà. C'est cool. Donc Poupa prend part à cet album, hein, sur le morceau Fight to Survive. Ouais. Vous avez fait un clip en plus. Alors, trop pépère, tranquille. Ah, le clip, il donne trop envie de venir se poser avec le short à Ennis. C'était du lourd. Ah ouais, c'est vrai. Franchement, vous avez lâché. En plus, vous avez fait un clip, vraiment, voilà, on a envie de venir se poser avec vous, crier le barbecue et tout. C'était vraiment ça, c'est ça. C'est fight to survive, c'est-à-dire, yes. Ouais, pas toi pour survivre, mais de la bonne façon, ouais. Positive attitude, le sourire, le soleil, c'est et puis voilà, le respect, la gaieté et tout ça, quoi. Les bons trucs, quoi. C'est vrai que t'es sapé, toi, vous êtes tourné ça un dimanche, non? Tu sais quoi, le pire, c'est que sur le coup, j'ai pas vraiment, pourtant, je fais assez attention à tout ça, mais sur le coup, voilà, on était tellement. Mais c'est ce que j'ai dit, tranquille, reggae, cool. Ouais, ouais, ouais. Et à la fin, je regardais les images, j'ai vu mon polo violet avec mon short bleu, en tongue. Paul Gauthier, un gros pro. On a brisé les codes de la. Ah ouais, c'est clair. Attention, la gueule fait, il va faire la gueule. Pourquoi j'ai trop cassé une niche d'ailleurs? Ah, la rétrocassé, ben déjà, pour être honnête, tu vois, c'est Monsieur Caporal Poupa qui m'a donné ce titre. Décidément, il est partout. Ça m'a plu énormément. Ouais. Ben ouais, parce que je me retrouve dans énormément de choses. Rétrocassé, voilà, moi je suis quelqu'un, ben, même par rapport à cet album-là, t'as pu le voir, c'est que c'est pas construit du tout avec le passé. Je suis quelqu'un qui va de l'avant. Ouais. Je suis pas trop à regarder derrière moi, je suis plus à regarder droit devant, puis à avancer. On regarde pas derrière. Après, c'est sûr que le passé sert. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui est plus à être dans l'instant présent et puis on va rester quand on est dans le passé. Voilà. Donc il y a vraiment ce côté-là, c'est-à-dire pas regarder derrière soi, rétrocasser ou pas en avance. Et il y a aussi des doubles sens, c'est-à-dire il y a le côté ma voix qui est un peu cassée, le côté rétro que je pourrais avoir. C'est clair, j'ai 33 ans. Il y a aussi, comme tu as pu l'entendre, des chansons qui partent limite un peu à la Gainsbourg et tout ça. C'est vrai. Ben, je veux pas dire, j'ai pas la prétention de me comparer à lui. Dans l'idée, dans le texte. Et le prix d'un chantier.
I'm feeling it in me while you take me. Loneliness holds me, embraces me, leads me straight to alone.